Mesdames et messieurs, je vous salue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour titre « 7 footballeurs haïtiens les mieux payés ». Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Si dans le football professionnel de nos jours, les gens se font des millions, sachez que pour nous les haïtiens, nous en sommes encore loin. Mais aussi pour beaucoup d'autres qui croient que le football n'apporte pas assez d'argent à nos internationales grenadiers, vous vous trompez gravement. Pour faire le point, accrochez-vous. Nous vous reviendrons après la pause. Numéro 7. Meschak Jérôme. Né le 21 avril 1990 à Liancourt, en Haïti. Est défenseur central. Il évolue à El Paso Locomotive FC de Texas dans le championnat américain, plus connu sous le nom de MLS. 146 250 euros par an. Numéro 6, Dukens Nazon. Né le 7 avril 1994 à Châtenay-Malabry en France. Est un avant-pointe. Il joue à Saint-Ouen-VV dans le championnat belge. 227 500 euros par an. Numéro 5, Derrick Etienne. Né le 25 novembre 1996 à Richmond, Virginia aux États-Unis. Est un latéral gauche qui joue à New York Red Bulls dans le championnat américain appelé aussi MLS. 345 000 euros par an. Numéro 4, Franzi Pierrot. Né le 7 janvier 1997 au Cap-Haïtien. Est avant-centre. Il joue actuellement à et à Guingamp dans le championnat français. 420 000 euros par an. Numéro 3, Hervé Basile. Né le 18 mars 1990 à Créteil, en France, est un latéral gauche qui joue dans le Havre AC dans la division 2, plus communément appelée la Ligue D en France. Est le troisième joueur le mieux payé de cette division et le deuxième joueur le mieux payé de son équipe, 470 000 euros par an. Numéro 2, Kevin Lafrance. Né le 13 janvier 1990 à Bondy, en France. Est défenseur, il évolue à AEL Limassol dans le championnat chypriote. 540 000 euros par an. Et enfin, numéro 1, Will Donald Guerrier, né le 31 mars 1990 à Port-Apiment, est un milieu de terrain gaucher, jouant actuellement à Karabakh FK dans le championnat azerbaïdjanais. Il touche la bagatelle somme de 562 500 euros par an. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de la liker et de nous laisser un commentaire. À la prochaine.